Attention oh. Le grand neuf, on dit qu'il est nul. Il faut faire la différence entre plantain et canne à sucre. Laisse mon frère, hey. Et comme Doka a dit, en ce moment, belle map d'eau. Anti, tu n'as pas envie d'être sur ça. Les pleurs de ça. Hey. Laisse mon frère, hey. On va quand même applaudir le grand neuf. Ah bon? Et pourquoi? Le grand neuf, on dit qu'il est nul. Hey! Oh, 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 oh. Mais, donnons quand même le couvert au grand neuf qui a fait le meilleur choix d'épouse en tant que footballeur africain camerounais. Partagez d'abord! Vous savez, parfois, je peux clasher et tout mal, mais ici, là, et tout, tu veux le confirmer que... On peut dire que tu es nul, mais tu es bon. Ça, c'est clair. Tu es un visionnaire. Ça, c'est clair. Et tout, maman, j'applaudis son épouse. Ça, c'est clair. Maman, Georgette, rien à dire. Tu es un exemple pour beaucoup de jeunes filles qui veulent être des épouses des stars. Moi-même, ma faux. Quand tu vas être la femme de Barakamdo là-bas, si tu entends, ferme ta bouche là. Ne viens pas pleurer ici que oh, Barakamdo ne dort pas à la maison. Oh, papa, comme toi déjà. Il va aller travailler. Quand il disparaît, tu dois seulement accepter. S'il me dit que, ma faux, je ne suis pas rentré à la maison hier parce que j'accepte et j'ai la boucle. Non, Eto, mes respects. Ah! Respectons vraiment le choix. Eto est béni par Dieu. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand Dieu te met une femme comme Georgette, tu deviens qu'un Eto. Quel mot dit c'est cela? Ça c'est que si même Eto est devenu un grand footballeur, je suis sûr et certain que elle a joué un rôle de coach, de psychologue, de tout, derrière Eto. Dans les moments difficiles, quand Eto rentre, il vient mettre la tête sur Georgette. Ma folle moine, ma folle est au maillard. Ma folle est au maillard. Ma yarl la neuf, ma neuf, moine, ailleurs, le ventier. Quand Eto repart, même si Eto va en minda avec une femme artificielle, superficielle, il rentre toujours chez Georgette. Ça, c'est clair. Vraiment, Eto, mes respects. Là, tu as montré vraiment que tu sais faire le choix des femmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les femmes camerounaises, nous sommes un problème. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas avoir un problème avec une camerounaise. Elle dit dans les réseaux sociaux. Yeah. Une femme camerounaise n'a jamais compris dans sa vie que elle aussi elle peut prendre un homme en charge. Yeah. Non, c'est des perroquets. Ouah. Tout le monde saura que, pardon, donne-moi les clés de ma voiture. Ouah. Il suffit que l'homme essaie de dire que, gamme de femme. Laisse mon frère, hey. Aucun homme ne fait de ses femmes des épouses. Ah bon? Et pourquoi? Elle peut lifter les seins. Ouah. Elle peut refaire tout. Ça c'est clair. Et ce sont des joueurs sexy. Ça c'est clair. Ces femmes sont qu'un fantasme pour les hommes qui ne durent que 6 mois. Ça, c'est clair. Au clou 9 mois, comme une grossesse, ça sort. Aucun homme, sachant bien que tu étais avec un X, tu as déjà fait au moins 5 ans de combat. Ma chérie, tu n'es qu'un jouet sexuel. Quoi? Un matelas. Ah! Oh, maman. Un lit d'hôpital qui accueille tous les malades. Comme Chanté Chalamana. Laisse, mon frère. Hey! Ah oui, tu n'es qu'un lit d'hôpital. Alors, notre frère Achille est malade. Franchement, quand moi j'ai entendu le voix de la femme là, c'est moi qui sa soeur. Hé, mon frère, qu'on parle comme ça. Je venais chamarrer toi. Non, la manière qu'on a lavé le gars, qui ne s'est pas fait d'amour. Hé, hey, Pama, hé. Hey. Jusqu'à dire que je suis acheté malade. Hé, petit bonhomme. Non, 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 non. Franchement, les Camerounaises, à cause de vous, nos frères vont chercher les femmes en Côte d'Ivoire. À cause de notre bouche, aucun Camerounais n'a cessé de prendre une Camerounaise comme épouse, surtout quand l'homme là est puissant. Non, le bavardage de ça, le chantage de ça, non. Tu dis que. Achille n'a pas baisé. Laisse mon frère, hey. Mais c'est pas un baiser. Quoi? C'est pas un fort aux fesses. Quoi? Ce n'est pas un pineur. Laisse mon frère, hey. Achille Manasse est un footballeur. Il sait jongler avec ses pieds et sa tête. Il ne sait pas jongler là en bas. Donc, quand on dit que Achille Manasse n'est pas un fort aux fesses, maman, tu veux un fort aux fesses? Il y a des gars qui sont là toute la journée à la salle de sport. En train de travailler le muscle pour te cogner. Non. Achille, on a la. Bienvenue sur Rosy Crête pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Crête est là et vous offre les meilleures mets africaines, européennes et plus précisément camerounais. Rosy Crête fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Crête, le service est impeccable. En follow face, c'est un footballeur. Il sait de que ce qu'il sait faire, c'est le foot. Hein? Quand vous cherchez des pineurs, allez voir les gigolos. Les gigolos, leur travail, c'est de la tête X et venir faire le play avec vous. Hein? Ils regardent des fantasmes toute la journée. Ils lisent les journaux, les choses qu'ils vont faire, comment vous prendre la tête. Alors, les points du plaid là, hein? Avant quand même, on va prendre la soute. Mes frères, non, vous aussi vous dérangez. Vous voyez les femmes brunes. Qui est à l'ac, maman, tu vois qu'il y a quoi? Elle a des fesses à dur. Pas des fesses à dur. Ah oui, tu veux que les femmes brunes, minx, avec les cheveux sur la tête, vous ne voulez pas les mains pour qui mettent le foulard. Vous voulez les femmes qui font les contouring, vous ne voulez pas les mannequins, vos poupées.
La poupée. Ouvrez les poupées, non. Maintenant, vous pleurez de ça. Prenez les mamans comme nous. Nous, nous sommes les tons. Vous voyez que si mon papa, comme tout, va faire les gars pour dire, pareil. C'est pour, je dois garder son image. Je peux pas. Non, maman, je peux pas. Non. En tant qu'ami, en tant que femme, je ne peux pas le trahir. Non. Nous, les mamans, là, nous, on sait gérer les choses. Oui, les mamans, les vieilles marmites, nous, on sait. Hein? Alors, vous aimez entendre que vous aimez les yoyettes. Hein? La femme à la une de Paris Match. Les gars à la une de Paris Match. Vous aimez entendre. Maintenant, elles disent que, même si Achille est fort au fait, je vais vous dire une chose, mes soeurs. Je m'en ai, Achille Nana, n'est pas. Quand tu as cherché un footballeur, ne t'attends pas. C'est les gars. Les footballeurs, c'est les gars qui aiment le game. Passer le ballon entre pour l'air. C'est-à-dire que tu n'es qu'un ballon. On te pousse là-bas, pam, l'autre son frère amorti. L'autre même, il fait comme ça. Ma chérie. Non, surtout les escrocs comme là. Vous êtes des joueurs sexuels de la République. Non. Je peux parler avec un footballeur, il me fait ça. Non, si moi, un footballeur me drague. Quand il prend les renseignements, ça va être sauvage. Moi, c'est la maman qui fait la maison. Je suis une tombe, il va me respecter. Non, mais les petites filles, non, c'est des maternelles de la République. C'est des prostituées de vitrine. Hein? Elle met le screen, elle manque le corps, l'homme est excité. Un homme qui voit une femme comme ça, c'est pas une relation à long terme. C'est quelque chose, pendant qu'il va, il garde le ballon, il cherche son frère à qui jeter, passer la passe. Tu n'es plus une balle. Tu n'es plus une balle. On objet, on va te faire faire des choses, on va te demander de faire des choses, mais jamais, ils vont te mettre la barre au doigt. On va l'entendre un jour, et puis venir épouser ma femme, c'est supplié, mais qu'est-ce que tu vas chercher la vieille femme là? La femme sauvage là qui n'aimait pas les contouring et tout. Non, franchement, les hommes camerounais là, respectés et tout. Dieu n'a pas peut-être la chance à et tout d'être meilleur partout, mais Dieu a béni et tout. Il a de la femme que tout le monde veut avoir. Et la seule femme, malgré tout ce qui s'est passé avec ses maîtresses, n'a jamais demandé de divorce, n'a jamais fait un direct sur le coin, n'a jamais quitté et tout. C'est les pleurs de l'amour. Pour ça, même les ministres au Cameroun sont jaloux sur les taux, parce qu'on veut finir avec lui. Vous voyez que ce n'est que pour l'histoire que machin, machin, non. Hein? Non, les ministres, toutes les femmes baissent partout. C'est les jouets entre eux. Et tout, vous ne pouvez plus que cette Georgette est venue au Cameroun. Montre-moi le sandal de Georgette. Mais toutes vos femmes là ont été baisées par X ou par Y. Georgette et tout est un exemple pour beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas comment, quel comportement avoir quand tu deviens la copine ou la femme d'un homme public. Pourquoi en France, vous voyez que les footballeurs en France n'ont pas de maîtresse, ou les chefs d'État européens, ils sont tous des maîtresses, mais ces femmes sont des tons. Mais au Cameroun, à l'aïté, minaïté, elle veut seulement entendre le titre, ma chérie, tu ne vas pas mourir dans silence. Maintenant, alors, on vous largue aucune de ces belles femmes dans l'alliance. Moi, le Dieu m'a mis l'alliance. Le Dieu m'a mis l'alliance. Alors, elles n'ont même pas ce qu'on peut appeler un peu de moralité. Quand j'ai écouté le boss que l'ex a fait, on s'en est s'agressé particulièrement à Achille Onana. Tu ne sais pas baiser, tu es incapable au lit, tu es un foireux, tu n'es qu'un soulard. Ma chérie, apprenons un peu à nous taire, nous les femmes camerounaises, on bavarde beaucoup. On dit tellement de méchanceté et après on pleure. Il est interdit de pleurer. Quand vous vomissez, les hommes, faites comme Onana. Une femme te manque le respect, tu la barres et tu prends une autre. C'est inacceptable, même si tu es un chrétien, un homme. Les gars ouvrent son clapet pour dire tu la barres, une autre va te prendre. Les femmes camerounaises, dès qu'elle a un problème avec son compagnon, elle vient sur Facebook. Il ne me pine pas bien. Il ne rationne pas. Il ne remplit pas le frigo. Oh, il ne fait pas ceci. Est-ce que vous savez ce que leurs femmes ont fait pour qu'ils deviennent les étaux? Maman Georgette a barré. Elle a lavé étaux. Elle a encadré étaux. Elle a gagné tous les combats psychologiques. Hein, avec les petites filles, l'oreillette blanche, noire. Mais étaux est toujours ancré chez Georgette. Pourquoi? Parce qu'elle respecte son mari. C'est fini les pleurs, la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine, pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, hein? C'est fini avec ça, là. C'est fini avec les pleurs. Car Easy Market est là. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille avec. Easy Market est là, hein? Et ne blague pas, il ravitaille la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, hein? C'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Man No Sabi. Utilisez mon code promo No Sabi. No Sabi. Voilà. Comme ça, vous aurez une très très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran. Regardez sur ce spot. Regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente. Quand elle a besoin de quelque chose, elle appelle son enfant. Elle dit maman, pardon. Dis aux gens là de repasser. Dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je
ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire. Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, sur terre, chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique. Samuel Eto'o a réussi au football. Flodely, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui?